What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Daniel get up? Start work. And you, Daniel? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up early, around 6 a.m. Then I work from 7 until 9. I go to school and study until 4 p.m. Then I work again from 5 until 7. So what do you do? I'm a dog walker. A what? What's that? A dog walker. I take people's dogs for walks. It's great, and it keeps me in shape, too. Page 11, Exercise 7, Conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. What do you do exactly? So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Daniel get up? Start work. And you, Daniel? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up early, around 6 a.m. Then I work from 7 until 9. I go to school and study until 4 p.m. Then I work again from 5 until 7. So what do you do? I'm a dog walker. A what? What's that? A dog walker. I take people's dogs for walks. It's great, and it keeps me in shape, too. Page 11, Exercise 7, Conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Daniel get up? Start work. And you, Daniel? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up early, around 6 a.m. Then I work from 7 until 9. I go to school and study until 4 p.m. Then I work again from 5 until 7. So what do you do? I'm a dog walker. A what? What's that? A dog walker. I take people's dogs for walks. It's great, and it keeps me in shape, too. Page 11, Exercise 7, Conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight.
Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, hi Glass, how you doing? Is everybody fine? Okay, you know that it is very important to follow the English class every day at this time. Okay, you have already known that. Okay, class. Even though I don't see my student, but I have to start, okay? Okay, I have to start the class. Let's share face, okay? Let's share the live face. And today's lesson, we are going to talk about how to use many and much, okay? And you use many and much in different ways in English, okay? It's for this reason today, I am going to talk about how to use many and much, okay? I am going to give you many examples, okay? We are going to make a lot of sentences, okay? Because I want you to understand well the two words in English, okay? Let's share the live phrase, you know, class. It is very important to share a live like this, okay? It's a live talking about education. Where do you have to know, okay? The live is talking about something important, all right? It's for this reason I encourage you to share the live, okay? Merci le fait que vous déjà branché cours anglais ça depuis le fait le ça du lundi au vendredi avec teacher Marie Branche on the air côté que nous baillons cours en détail, OK? Un cours que on t'a supposé dépenser en pile quoi pour prendre mais nous baillons les free grâce à Facebook online, OK? What you have to do, Claire? Si ça doit faire it. Share the live, help me to grow this family, okay? Invite your friends, your family, your neighbors, you understand? Invite all the people you know, tout le monde connaît, okay? Invitez-yo, viens participer dans bel cours anglais ça que nous bien détaillé du lundi au vendredi pendant une heure de temps, okay? Nous va prendre plus le temps pour éviter déranger monde dans belle ambiance qui vient sur internet, okay? Nous prenons par les classes des emplois de many and much, ok? Nous prenons le détail, ok? Many and much, qui signifie beaucoup. Nous prenons le détail des classes et nous prenons faire des questions avec elle, ok? Nous prenons expliquer comment utiliser. Tant que nous apprenons une branche là-dedans, parce que pas seulement many and much, il y a how many, how much, il y a too many, too much. Gagne not too much, not too many. Gagne few, gagne little. Gagne very few, gagne fewer. Okay? That is, gagne yon paquet bagay que ou dwe konne. Ça c'est yon chapitre qui est extrêmement important dans langue anglaise. Qui a permis tout quand même arriver acheter à l'aise sans aucun problème. Okay? Help me to share the live là, sans nous partager live là. Très rapidement, moi, abbaou une minute pour partager live là, une minute pour partager live là, pendant nous
aptan nou rapide, voye live la dan tout groupe, d'une façon pou nou ka pousse avec kou anglais. Merci le fait qu'on déjà branché. Merci le fait que vous encouragez avec connaissance, avec parler une langue étrangère. C'est très important, hein? Thank you very much. Share the live, please. You're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Let's share. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Daniel get up? Start work. And you, Daniel? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. Share the light, please. I get up early, around 6 a.m. Then I work from 7 until 9. I go to school and study until 4 p.m. Then I work again from 5 until 7. So what do you do? I'm a dog walker. A what? What's that? A dog walker. I take people's dogs for walks. It's great. And it keeps me in shape, too. Page 11, Exercise 7, Conversation. I start work at 5. Part A, listen and practice. Let's share the life, please. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Let's share the life, please. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, are you ready, Claire? Page 11, Exercise 7. Have you already shared the life? Listen to the rest of the conversation. What time does Daniel get up? Start work. Okay, I think you have already shared the live, and right now I'm going to talk about many and much, how to use them, okay? I'm pretty busy. Okay, nous allons parler rapidement de meilleure façon que vous utilisez many and much en anglais sans aucun problème, okay? And... thank you, Glass. Thank you for following. Thank you because you take your time to follow the class on the air. Merci le fait que vous prenez temps pour suivre Belle Cour Anglais ça qui fait de lundi à vendredi. Ok, Glass. On dit comment utiliser many et much en anglais. Ok. Nous te dis que Glass qui ça ou doit connaître en anglais. En anglais, Glass, nous dit que nous avons le count noun. Ok. Gen yon bagay yon ele klas, ou a count table, ok, la don lou jwen sakre le count noun, ok, la nou di count noun klas, le sa nou pale de, non, un kompran, non de chos ki kapab konte en anglais, ok, la nou di count noun klas, nou pale de, non de chos ki kapab konte facilement en anglais, ok? Je dis Claire, pour me connaître comment utiliser many and much en anglais, ok? Many and much, je voulais dire même bagaille, ok? Mais la seule chose, pas qu'à utiliser many dans place much, ni much dans place many. Pour qui ça, Claire? Parce que je dis moi que en anglais, il y a ça qui est le count table, ok? Ou du moins, Claire, count noun, ok? Leur dit count noun, c'est nom qui capable compter. Est-ce que nous l'avons éclairé? Ok? Nom des choses qu'on peut compter. Est-ce que nous l'avons c'est des noms, reprendre des choses que ou capable compter en anglais. Ça veut dire qu'on dit 1, 2 là-dedans, 3 là-dedans, 5, 6 là-dedans. Est-ce que nous l'avons éclairé? Laissez un little count table. Ok? Or a little count noun. Count noun qui veut dire. Non que on capable de compter en anglais. Mes amis, ça passe, hein? Comment faire live là était comme ça en anglais? Share the live. Share please, Claire. Share.
Let's share the live, please, class. Ok? Est-ce que nous là, hein? On dit là, nous parle de countdown en anglais. Countdown signifie class. Non, ouais. Je dis, comment on emploie many? Ok? Many veut dire quoi? Beaucoup. Ok? Mais on emploie many class devant les noms de choses qu'on peut compter. Est-ce que là, class? Nous utilisons le comme class devant des noms de choses qu'on peut compter. Est-ce que là, hein? Ça veut dire, non, ça, on a utilisé, on a parlé de, il faut être capable de compter. Ça veut dire, il faut être capable de dire, un là-dedans. 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez un classe? Vous avez dit, exemple, exemple. Là, moi, j'ai une classe, chair. Ok? Qui ça, chair, vous voulez dire classe? Il veut dire chaise. Ok? On suit. Là, moi, j'ai une chaise. Est-ce que je ne peux pas compter chaise? Ok? Yo dit faut que nous yo capable compter nos choses là. Chaise est une chose, pas vrai class? Hein, yo dit m'utiliser many devant les noms de choses qu'on peut compter. OK? Faut que nos choses m'gayam capable compter. On a les classes. Chaise, la chair qui veut dire chaise. Est-ce que m'pas capable compter chaise en anglais? Oui, moi capable compter, OK? M'pas capable dire one chair. Est-ce là class? Two chairs. Est-ce que là, class? Three chairs. OK? Five, six, 100 chairs. OK? Plus que je suis capable de compter chairs en anglais, il y aurait les chairs countdown. Est-ce que nous là? OK? Il y aurait les chairs countdown. Countdown, non, qui ça veut dire, class? Qui ça countdown veut dire? Countdown veut dire le nom des choses qu'on peut compter, ok? Ça veut dire c'est nom que on capable de compter, ok? Nous dit chaise est une chose, hein? Est-ce qu'on peut compter chaise? Oui, ok, class? Plus que nous capable de compter chaise, nous capable de dire une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises. Eh bien, pour parler de beaucoup de chaises, class, on doit dire quoi, class? On doit utiliser many. Est-ce qu'on l'a, hein? Pour qui ça c'est many class? On dit many devant chairs. OK? Many chairs, beaucoup de chaises. Ou est-ce que là, qui ça qui veut la classe? Plus que chaises capable de compter, on dit many chairs. Est-ce que là, un classe? Sami, j'aimerais le faire pour ça. J'aimerais bien détailler pour ça la classe. On partage, non, hein? J'aimerais bien détailler pour ça, bah, ou là. Lui mérite partage, hein? OK, invitez tout le monde venir suivre. Est-ce que nous là en classe? Est-ce qu'on là, hein? Parce qu'on a bien détaillé, nous a bien détaillé bah, oh, all right? Invite your friend, invite. Invitez vos amis, you know, sur Messenger là, venir suivre belle course en classe, OK? Invitez eux, OK? OK class, invitez zanmou yo vinn participer nan bel kou anglais sa, hein? Est-ce que nous la class? OK? Di class, yo di m comment utiliser many. M'utiliser many class, on emploie many devant les noms des choses qu'on peut compter. OK? Ça veut dire choses moins gen yon fòm capable compter. Les gen chaises, qui ça me dit class? Une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises, cinq chaises, plus que m capable compter en anglais class, m capable di one chair, two chairs, three chairs, four chairs, five chairs, six chairs, 50 chairs. Eh bien là, mon cas dit class. Par exemple, mon cas dit, nous avons besoin beaucoup de chaises. Est-ce que nous l'avons class? Qu'on y a pour me dire class, nous besoin en pile chaises. C'est facile, hein? Plus que chaises, c'est un countdown. Là, nous dit countdown, ça veut dire nous qui capable de compter. Pour me dire nous avons besoin beaucoup de chaises. Nous dit que ça classe. We need many chairs. Est-ce que ça classe? We need many chairs. Nous avons besoin beaucoup de chaises. We need many chairs. Pour qui ça c'est we need many chairs? Parce que classe, moi capable de compter chaises. Est-ce que nous la classe, hein? Est-ce que nous là, hein? Parce que je suis capable de compter chaises. Plus que je suis capable de compter chaises. OK?
plus que m kapab konte chèz klas, pou m di nou bezwen an pil chèz, m di we need many chèz. E so la klas. We need many chèz. E so la, hein? An ale yon dezyem ekzamp klas. Le m genye pa ekzamp la car. Ok? Car. Car ve di kwa? Car ve di voiture. Ok? Plus que m'y ait car class qui se voit, est-ce que m'a pas dit yon machine, deux machines, trois machines, quatre machines, cinq machines? Oui! Plus que m'a pas compté machine, m'a pas dit one car, two cars, est-ce que l'on a three cars, est-ce que l'on a four cars, 50 cars, plus que m capable compter machine, OK? M capable dire moi gagner en pile machine. Est-ce que là en anglais? Plus que m capable compter machine, eh bien pour me dire moi gagner en pile machine, m'a utiliser many parce que chose gagner, li capable compter, OK? Mais qui ça va dire clair? I have many cars. Est-ce que là en anglais? I have many cars. Est-ce là? I have many cars. Hein? J'ai beaucoup de voitures. I have many cars. J'ai beaucoup de voitures. Est-ce que là, anglais? We need many chairs. Nous avons besoin beaucoup de chaises. Est-ce que là, anglais? Plus que là, mon capable compter chaises, on dit many. Plus que mon capable compter machine, on dit many cars. Est-ce que là, anglais? Ouais. Many chairs, many cars, many books. Est-ce que là, anglais? C'est de même pour livre en classe. Est-ce que on pas compter livre pour me dire moi gagne un livre, deux livres, trois livres, quatre livres? Oui. Eh bien si moi gagne un book, moi ka dire classe, I have one book. Moi gagne un livre. Moi gagne deux livres. Moi gagne trois livres. Moi gagne 4 5 6 livres. Eh bien plus que moi capable compter chose ça, OK? Nos choses ça c'est book, est-ce que la règle est et puis me capable compter plus que me capable compter en anglais. Eh bien pour me parler de beaucoup pour lui, pour me parler de en pile pour lui en créole, est-ce que la règle est? Eh bien qui ça m'a utilisé? M'a utilisé many. Par exemple qui ça m'a dit classe? Moi ca dit classe, moi besoin en pile livre pour m'apprendre anglais. Est-ce que la anglais? Eh bien m'a dit classe, I need many books to learn English. Est-ce que la anglais? Est-ce que la? I need many books to learn English, OK? Pour que ça c'est I need many books. I need many books to learn English. Pour que ça me dit many books parce que many est une chose, OK? Qu'on peut compter, OK? Many. OK, book parce que book qui c'est livre, nous capable compter livre là. Est-ce que là anglais? On dit meilleure façon d'utiliser many en anglais classe, c'est comment devant les noms de choses qu'on peut compter, devant toutes nos choses ou capable compter, ça veut dire qu'on dit une, deux, trois, quatre, cinq, six là-dedans. Et bien pour parler de plusieurs ou bien en pile là-dedans, on va utiliser many. Est-ce que là anglais? Me dit là nous prend chaise, m'ka dit une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises, cinq chaises. Et puis pour me dit classe, nous besoin en pile chaise, oui, est-ce là hein? Nous besoin en pile chaise pour l'école là, est-ce là classe? Nous besoin en pile chaise pour l'église là. Et puis qu'est-ce que ça m'a gagné classe? We need many chairs for the church. Est-ce là hein? We need many chairs. Nous avons besoin beaucoup de chaises, OK? Pour que ça c'est many parce qu'on peut compter chaises. Est-ce que là, anglais? I have many cars. Pour que ça me dit I have many cars, m'a dit much. Pendant ce temps, many et much signifie même bagaille. Est-ce que là, hein? Tous les deux signifient même bagaille. Mais la différence, classe, c'est parce que là, m'utilise many, chose moins gagnant, faut moins capable de compter. Est-ce que nous là, anglais? Est-ce que nous là, hein? Là, moins utilisé, chose moins gagnant. Faut moi capable compter mes amis, ça passe 28 mon hein, chaque monde mes amis, même 60 chers nous pas cabaille, let's go.
Let's go, class, let's go. Ma rap bien pressant pou m'explique un coup comme ça, hein, pour nous parler gueule dans tout côté, hein. OK, let's share, class, let's share. Mes amis, si bien 30 moun mes amis, si même si chaque moun ta fait 5 share, li pa tap ça. Lè vous ça n'ta que dans quitter 60 share longtemps, hein. OK, class, hmm? Toujours dit en nous encourager ça qui bon, hein. Est-ce que là, hein. C'est pas un bagage que toi moun n'a volé pomper ou juste paraître ba partager pour faire moun wese. Est-ce que là, hein, class, ça qui bon et tout. On nous partage, yo, ok? On a le glace. On dit, we need many chairs. Est-ce que là, hein? Plus que je suis capable de compter chaises, eh bien, m'utiliser many. Plus que je suis capable de compter machines, m'utiliser many cars. Plus que je suis capable de compter livres, m'utiliser many, ok? Exemple, many chairs, beaucoup de chaises. Many books, many cars, beaucoup de voitures. Many books, beaucoup de livres. Est-ce que là, Iglesias? Hein? Kounya, nous finissons par parler de ça, le count noun, count table. On va parler de count table. Count noun, nous dit count noun dans sa lire, Iglesias. Count noun veut dire nom que ou capable de compter. Elle dit nom de choses, choses ça est ou capable de compter sans aucun problème. Est-ce que là, Iglesias? Mais pas oublier qu'il y a des choses qu'on pas capable de compter. On allait très rapide. Bon, moi, étudier ça, est-ce que je pense que tout le monde est à comprendre? Many en classe, est-ce que là, hein? Kounya la classe. Kounya la classe, si me dit, we need many chairs, est-ce que là, hein? Immédiatement, me dit, we need many chairs, ou même qui a suivi moi, hein? Ok, thank you. Ou même qui a suivi la classe, si me dit, ah, you know, man, I need many chairs, ok? I have a school. Nge yon l'école, men, besoin pi de chaise, hein. I need many chairs for my school. Est-ce que la glace? M'di besoin pi de chaise pour l'école là. Plus qu'on tende ou tende m'di moins besoin pi de chaise. I, we need many chairs. Kounya ou kamande m combien chaise ou besoin? Est-ce que la glace? Est-ce que nous là, hein? Qui soit prêt à faire la glace? Plus que m'di, là, utiliser many, c'est pour nous qui capable compter, ça veut dire pour nous choses ou gain qui capable compter yo. Ou à utiliser many. Si par exemple, m'bin la classe me dit we need many chairs. Many. Est-ce que m'bay quantité exacte là? Non, est-ce que là, hein? Moi besoin yon quantité chaises. Nous besoin yon quantité chaises. Kounya classe, immédiatement par exemple, m'di my friend, you know, I need many chairs. M'di zami, ou konnen men, besoin pile chaise. Ki question wap gen pou pose m glas? Question wap gen pou pose m nan ki sa liye se, how many chairs do you need? Esko la glas? How many chairs? How many chairs do you need? Esko la glas? How many chairs do you need? Est-ce que là, hein, class? Est-ce que, hein? Qui ça me dit, la class? Me dit, we need many chairs. Ou bien me dit, I need many chairs. Me dit, moi, besoin en pile chaises. I need many chairs. Hein? J'ai besoin beaucoup de chaises. Qui ça m'a dit, class? Immédiatement, me dit, moi, besoin en pile chaises. Sous une quantité de chaises ou même, hein? Ou là, ou pas de quantité exacte que me besoin en classe. Plus que ou pas de quantité exacte là, ou gon question pour poser, mais sur la classe. Question que vous posez, mais qui ça la bien classe, how many chairs do you need? Est-ce que la classe? Let me utilize how many là. How many veut dire quoi? How many veut dire combien? Est-ce que vous voyez une classe? Hein? Est-ce que vous voyez une classe? Hein? Qu'est-ce qu'on dit classe? On utilise many, ok? Pour devant les noms de choses qu'on peut compter. Est-ce que la classe? Devant nom de choses, choses qui sont fort mais capable de compter en anglais. Est-ce que la classe? Plus que je suis capable de compter chaises, pour me dire I need many chairs, moi besoin en pile chaises. Est-ce que la? Si me dit I need many chairs, est-ce qu'on compte quantité exacte chaises moi besoin? Non. Plus qu'on pas compte quantité exacte la classe, ou à poser une question si vous voulez bon aide. Est-ce qu'on la classe? If you want to help me, you understand? If you want to help me class, what you have to do? Ask me a question. You understand? You ask me an important question. How many chairs do you need? Combien de chaises? Est-ce qu'on a une classe? Est-ce qu'on a, hein? How many chairs? Hein?
Combien de chaises? Combien de chaises ont besoin? How many chairs do you need? Est-ce que l'anglais est? Kounya, immédiatement, on dit how many chairs do you need? Là, ma baou quantité exacte que besoin. Qui ça m'a pris pour l'anglais? I need 400 chairs. Est-ce que l'anglais est? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous là, Eglias? Est-ce qu'on là, hein? Mes amis, fais là, il arrive sans pour moi. Fais-le, il sans pour moi. Fais-le, sans pour moi. Chaque monde qui a suivi lui, parce que m'a bien détaillé le baou. Eh bien, si m'a bien détaillé le baou, mes amis, on nous la gueule tout côté. On nous fait travailler la marche, hein? On allait jusqu'où n'y a pas même gagné 75 chers. Est-ce que là, Eglias? Let's share, Eglias, hein? Ok, let's share glass, let's share, ok? On a les glaces, est-ce que là? L'ambini glass, m'di, I have many cars. Est-ce que là? M'di, oh no, my friend, I have many cars. What are you talking about? M'di, de qui ça parle là, man? M'di, on pile machine, est-ce que là, glass? What do you talk about? De qui ça va parler là? Est-ce que là, glass? M'di, what do you talk about? What do you talk about? What do you talk about? So the English. What do you talk about? Dis-moi qui ça va parler. I have many cars. Hein? Dis-moi qui ça va parler là. M'y a pile machine. So the English. Est-ce que m'bay quantité exacte la mienne là? No. Et bien plus que m'dit, I have many cars. Ou qu'a répondu nous dit, how many? How many do you have? How many? So the English. Hein? Ici on arrive à avoir, ok, English. Plus que avoir se conjugue autant simple de l'indicatif classe, pour poser une question avec le verbe avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser l'auxiliaire do, des, did pour faire la question. Hein? Pourquoi? Parce que avoir autant simple, c'est vrai, il est un verbe auxiliaire, mais il ne se comporte pas. Est-ce que pas c'est toi, oui, classe? M'a bien passé quelqu'un. Thank you very much, my friend. Est-ce que là, Eglias? Hein? C'est meilleur côté. Wap jeune anglais avec bonne explication. Non, non, vous besoin là. Sans aucun problème. Est-ce que là, Eglias? Est-ce que là, Eglias? Est-ce que là, M'a d'un petit vitamin? Ok, good. Let's go. Let's go. Ok? Est-ce que nous là? Hein? C'est meilleur côté. Wap jeune anglais avec belle explication sans aucun problème. C'est raison ça qu'il faut toujours du cher, pas qu'à une belle live comme ça pour gagner 70 chers. Est-ce que là, hein? Hein, pas qu'à une belle live comme ça pour gagner 70 chers. Est-ce que la classe, hein? Me dit what do you think ça va parler là, man? Hein? You are talking about things. On parle de choses, man. I have many cars. J'ai beaucoup de voitures. Immédiatement, me dit j'ai beaucoup de voitures. Qui ça va poser classe? Sous besoin qu'on quantité m'gagne. Sous besoin qu'on quantité m'gagne. Qui ça va faire classe? Ou va dire how many cars do you have? How many? How many cars do you have? Et sur la classe. How many cars do you have? Hein? Vous avez combien de voitures? How many cars do you have? Vous avez combien de voitures? How many chairs do you need? Hein? Vous avez besoin de combien de chaises? That's what I glass. How many cars do you have? Vous avez combien de voitures? That's what I glass. Mais plus que la glass, moun nan te dit I have many cars, besoin de quantité exacte li gagne. Et puis m'a dit how many cars do you have? Kounya, immédiatement m'di, how many do you have, class? Mou non la, plus que l'te dim, I have many cars, li pral ban mwen quantité li genye. Kounya, ki sa l'ka di la, class? I have two cars. I have two cars. I have five cars. Do you understand well? Do you understand, class? Do you understand? If you understand, right, yes. Écoute, yes. Écoute, yes, hein. Ou même cap suivre, pas hésiter à faire ça. Écoute, yes. Sous bien comprendre, ok? Sous bien comprendre, écoute, yes. Sous pas bien comprendre pour me retoucher rapidement, ok? Écoute, yes. On a les classes, ok? Hein? Pas qu'à gombe life pour ça, mes amis. Pour lave la 70 chers, hein? That's ça. Pas qu'à comprendre bagaille ça, hein? Hein? Gros paquet de tête, moun qui là. Même petit cher, pas qu'à gombe tête, hein? Let's share glass. You have to share. On a les glass. On partage live là, hein. Vous comprenez? Il y a un peu de monde qui t'a aimé suivre anglais pendant une heure de temps.
et puis ou pas partager les sol avec classe. OK, m'dit qui ça crive la classe. M'dit là nous utiliser many en anglais. OK, many devant les noms de choses qu'on peut compter. OK, ça veut dire pour utiliser many faut que chose moins gagne lui capable compter en anglais. Est-ce en anglais? Parce que many veut dire many and much. Tous les deux veut dire beaucoup. Et sur la classe, mais là j'utilise many, m'a utilisé le devant count noun. Là nous parlons de count noun on veut dire non qui capable compter, hein. Dit chaque monde dit aussi yes, à peine si il y a 4 monde mes amis. All right, thank you very much. Okay, all right, exactly. Okay, faut dire aussi yes pour me sentir quoi passer. Vous comprenez? C'est ça c'est là ça c'est force ou pas moi, hein, sur là, hein. OK, là on écrit yes là. C'est fort souvent moi, hein? Ou fait me sentir waouh, là bien passé. On ça va le permettre moi bailler plus bien. Let's share. Thank you my friend. OK? Let's share. Mes amis, pas qu'à tout le monde ça. That's ça, vous pas même 150 share. Il dieu. OK, il dieu. OK? Si m'a regarder sous ça, on va le déconcentrer sur explication non. Bon on va occuper de ça, OK? Bon frapper, OK? Ou même qui sentir bon mes amis, pas qu'il t'aime du partager, hein. Est-ce que là avec les I need many chairs. J'ai besoin beaucoup de chaises, OK? Oh, beaucoup de chaises, combien? Est-ce que là avec les plus qu'on dit besoin en plus chaises, besoin d'une quantité exacte. Là, me dit combien? How many? How many qui signifie quoi? Combien? OK? How many chairs do you need? OK? Vous avez besoin combien de chaises? Est-ce que là avec les vous avez besoin combien de chaises, hein? Dis combien de chaises vous besoin là? Là mon a dit I need 400 chairs. Besoin 400 chaises, OK? I have many cars. J'ai beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures? Combien? Est-ce que là en classe, plus qu'il dit many cars qui c'est beaucoup de voitures, ou besoin qu'on combien on dit how many cars do you have? Et bien dit I have 2 cars. Est-ce que là moi ba ou quantité exacte là? C'est là. Je vais passer dans le match là, c'est sûr vous comprenez pas ça très bien. Je vais passer dans le match kounya, OK? Good explanation. Thank you very much. Ça plus que bien. Thank you, OK? Bon temps pour m'expliquer. Laisse ça que faire. Des fois là on belle live comme ça pas ca dans 2-300 moun jusqu'à 1000 moun a regarder, ça fait mal, hein. À cela, hein. On prend temps m'a bailler anglais bien comme ça, hein, classe. Et puis pour mon yo pas envahi belle coup anglais ça, hein. Est-ce là bien éclairé, bien belle est-ce là, hein. On a des glaces, OK? Est-ce que tout le monde voit? Many c'est pour count noun. Là dit count noun, il veut dire des noms des choses qu'on peut compter. OK? C'est ça qui est le count noun en anglais. OK glace? Montre par exemple toute bagarre qu'on peut compter. Si mien plume ça, est-ce que m'pas ka contrer? Oui. M'ka dit yon plume, deux plumes, 3 4 5 6 7 8. Plus que m'ka compter, mais que ça m'a dit si m'dit classe, m'gen en pile plume, m'a dit I have many pins. OK? Immédiatement m'dit I have many pins, et mien kou nan pral di how many pins do you have? Combien plume ou gen? OK? Kou nan se mwen konnen pral di I have 2 boxes of pins. Gen deux boîtes plume. Est-ce que la anglais m'bon quantité? Let's talk about match right now. Bon nous parler de match, OK? Parce que match ça vraiment bien, hein, est-ce que là anglais? Et un bon exemple. Si m'aller dans une boutique pour acheter classe, OK? M'aller dans une boutique, on suit bien. Si m'aller par exemple dans une boutique pour acheter, OK? Share live, OK? Share live, good. Si m'aller, oh, des fois ça fait mal là. Moi des live mais c'est qui gagne n'importe 2-300 mon a regarder. Mwen sezi wi. Aso la, mwen den live men. Se pa ki fè m sezi wi. Mwen den live ki ple moun kap gade yo sa. Mwen sezi wi. Ese nou la. Mwen sezi klas. Wè ba bel baga edukasyon kon sa. Kap fèt ouwe moun pa anvay yon. Li di yon. Est-ce que nous l'avons glas? L'idée, hein? Ou belle live, comme ça, regardez par exemple. Par exemple, où il veut l'acheter un côté? Est-ce que l'avons glas? Et puis, par exemple, vous dites, mon nom dit, what do you want? L'idée, qui sont vlés? Est-ce que l'avons glas? On me fait essuyer, hein? Ok, est-ce que nous l'avons?
Je vais vous donner un bon menu avec how many. Bien détaillé là-haut, ok? Hein? Détaillé, hein? Même si vous avez l'anglais difficile, depuis que moi qui fais le bout, vous devez être facile, hein? Ça c'est sûr. Vous devez pas être facile, parce que vous-même, c'est facilité à moi utiliser pour moi expliquer au anglais, hein? Une langue que moi remets en pile, hein? C'est cela, hein? Que me fait sacrifice pour littéralement moi-même. Ça fait moi prendre 100 mois. Pour moi, je suis bien. 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 D'abord, ok? Bien. Je suis bien. Je suis bien. Je what do you want? What do you want? Je suis bien. What do you want? Je dit qui ça voulait? What do you want? Qui ça voulait? Je suis bien. Hein? Hello. Hi. I come to buy something. What do you want? Hein? Minach no bagay la. What do you want? Ki sa vle? Eso la egle as. What do you want? Ki sa vle? Hein? An bon exemple as. Kounye ay pi ou di I want book. An suivi egle as. Par exemple an di I want book. Eso la hein? Ou du moins, comme nous sommes pour un bec, ou dit, I want pen. Qui soit dit là? What do you want? Et vous dit, pen. Qui soit dit, ouvrez? Ou plume. Et cela. Qui ça, mon nom, radio, la classe? Plus que plume capable de compter. Gardez bien, oui, classe. Gardez bien cet exercice là, classe. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là, hein? Fais-moi sentir nous là, nos classes. Fais-moi pousser quoi, nos 200 chers. On a allé. Par chaque monde, la game, nous disons, on a allé. Dit what do you want? Mon dit I want pen. Little besoin plume. Allez bien glace. I want pen. Li besoin plume. Mon cap venne qui question la poser la classe, hein? Plus que plume capable compter. Mon ka dit yon plume, deux plumes, trois plumes. Laisse am gagne yon nom qui capable compter. Qui ça mon pa dit la classe? La dit how many pens do you want? How many pen do you want? Est-ce que l'anglais as? How many pins do you want? How many pins do you want? Il dit combien de plumes ou besoin? Est-ce que l'anglais as? Qu'on a qui ça mon ne pral dit la classe? Il a dit I want two pins. I want two pins. Ok? Est-ce que l'anglais as? Qu'on a mon ne pral continuer poser une question qu'on a. Kounal kadou, ki koule ou bezwen? Eso la engle as, eh? Mba bezwen kontinye. Mba kontinye le tou ap, eso la. Li kadou, ki koule ou bezwen? E pou mi mou kadou, mwen bezwen you noir, you rouge. Eso la engle as, eh? One black and one red. Eso la engle as, eso la, eh? Mwen lèk amando, ki koule ou bezwen osi? Eso la. What do you want? I want pins. How many do you want? Koubi ou bezwen? I want two pins. Est-ce que là? Pourquoi ça dit how many pins do you want? Parce que pin capable de compter en anglais. Est-ce que nous là, hein? Plus que pin capable de compter classe, il dit how many pins do you want? Est-ce que là, classe? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Hein? OK, est-ce que nous là, hein? Un bon autre exemple, OK? Plus que me voulez bien détailler au bas où, je dis on apprend menu en net. Et puis demain si je viens apprendre match là net. Est-ce qu'on a un glace? On est dans menu parce que m'a veut monter pile sous pile dans tête. Est-ce qu'on a hein? Hein? M'a bien baoul, professeur bien baoul. Nous pas monter pile sous pile. What color you need? Exact. What color? Color good. All right. Très bien mon frère. Hein, très bien. Qui couleur besoin? Pour na mon ka dit, "Ah, I want a red." Besoin yon rouge. Hein? I want one red and one black. Est-ce que là, hein? Tu peux dire one black, one red. One black, one red. OK? I want two pins. One black, one red. Quel remplace one ici? One remplace plume.
Ok? Hein? Très prochainement, Cléas, n'a détaillé meilleure façon d'utiliser one pour qui s'écrit comme ça et once qui s'écrit comme ça, hein? Est-ce là, hein? Mais plus que nous beaucoup la donne, nous pas prêt parler de lien, nous voulons pas au bagaille en ordre. Est-ce là, hein, Cléas? En ordre. On allait, fais-moi 100 moun, non, Cléas, fais-moi 100 moun. How much do they cost? Exact, ok? So, how much do they cost? La, yo get on where we parle de money. Yo get on where we parle de money. Oui, ça c'est money. Parce que money pas qu'à compter. On voit money en français, Cléas. L'on prend money ou voit le français. Qui ça le bao? Money en français bao beaucoup. Di ba ou argent, l'argent, est-ce que là, hein? Plus que money by l'argent. On essaie de compter l'argent pour nous, Cléas. Est-ce que on a dit yon l'argent, 3 l'argent, 4 l'argent, 5 l'argent? Non! Plus que m'a pas dit yon l'argent, 5 l'argent, 4 l'argent, 10 l'argent, 100 l'argent. Est-ce que nous l'avons, Cléas? Eh bien, pour demander combien il coûtait, m'a dit how much does he cost? Est-ce que là, hein, Cléas? Combien li coûte? How much does he cost? Est-ce que là? Laissez le map bien détaillé, mon chaba, ouais. En fait, non, ok? How much does he cost? Est-ce que là? Et puis, vous n'avez pas de dire, li coûte, tant l'argent. Est-ce que là? Map détaillé, le baou tourne, le baou le dit, li coûte $5.90, $5.95, $5.70. Est-ce que là, hein, Cléas? Ou gagne intérêt pour suivre. Yon bel coup anglais comme ça, hein? Qui a détaillé anglais à bas, hein? Est-ce que là, Cléas? Ok? What do you want? I want pen. How many do you want? Combien on besoin? Ah, I want 2 pens. What color? 1 black. Ok? What color? You can just see what color? Est-ce que là, hein? 1 black and 1 red. Yon bleu, yon noir, yon rouge. Est-ce que là, Cléas? Let's share. Let me see. How many share? Oh my God. Pourquoi qui share même? Ça va anglais n'a pas détaillé là, hein. Ça va anglais n'a pas détaillé à mes amis, hein. C'est ça là. Ah, va comment anglais n'a pas détaillé à hein, Cléas. Hein, ça va pas qu'on lit mes amis. Hein? Pas qu'on garde un bel coup anglais comme ça fait, hein. Ouais, pour me pas ouais. Au moins on sent mon à garder quoi mes amis, hein. Est-ce que là, hein, Cléas? Ok? Est-ce que là, hein, Cléas? Est-ce que là, hein? Ok? Est-ce que nous là, Cléas? Family, Cléas! Le how suivi de many, puis égal avec combien? Ok? C'est combien? Est-ce que là, hein, Cléas? Le how pour call? Le how pour call, il veut dire quoi? Comment? Est-ce que nous avons un glace? Pas oublié. Many qui veut dire beaucoup. Quand nous allons prendre how many avec many, il veut dire combien? Est-ce que nous avons un glace? How many chairs? How many books? How many? Mais écoute, comment il a utilisé many en glace? Many, il a placé devant chose là. Est-ce que nous avons un devant chose qui est capable de compter? Est-ce que nous avons un glace? En par exemple, si nous avons dit dollars. Est-ce que dollar pas qu'à compter? Oui. Plus que dollar qu'à compter, Cléas. Si ça m'a dit dollars. Ok? Plus que qu'à compter, il a dit que ça many pour nom des choses qui sont capables de compter. Eh bien, many a placé devant choses là. Mais qui ça m'a dit là? M'a dit many dollars. Est-ce que là, Cléas? Many dollars. Et même j'en viens, Cléas, many pen. Est-ce que pen pas qu'à compter? Oui. Et même dit pens. Mais plus que qu'à compter, Kounia Cléas. Est-ce que là, hein? Vous me dites beaucoup de plumes, eh bien, mettez many devant. Ici, tu es devant. Est-ce que là, hein? Many pins. Est-ce que là, hein, Cléas? Plus que Cléas, n'y par exemple radio. N'y a radio. Radio qui c'est radio. Est-ce que radio va pas compter, Cléas? Oui. Plus que radio capable de compter, me dit radios. Est-ce que là, hein? Radios. Qu'on y a, Cléas? Vous me dites combien de radio, mettez qui ça devant, many. Mais ni placé devant non chose là, est-ce que nous Cléas que m'a parlé de lui qui capable compter là? Est-ce que nous avons Cléas, lui placé devant non chose qui capable compter là? Ok? Le many pour compter lui comme ça Cléas, il veut dire beaucoup, ok? Elle dit plusieurs dollars, plusieurs plumes,
plusieurs radios, ok? Immédiatement, vous n'avez besoin de combien, mais utilisez how many? Ok? Immédiatement, vous n'avez besoin de combien, mais utilisez how many? That's all I can ask. How many books? How many pens? How many chairs? That's all I can ask. How many rooms? On boy example, ask room. Room veut dire quoi? Room veut dire chambre. Est-ce que l'on glace? Par exemple, si me dit glace, hein, me dit moi gagne un appartement pour louer. Est-ce que l'on glace? Par exemple, me dit moi gagne un appartement pour louer. Qui sont pour le poser me glace? Premier, ou pour le besoin qu'on détaille des appartements. Est-ce que l'on me dit glace? Gagne un appartement pour louer, par exemple. Do I have an apartment? I have an apartment for rent. Mdi am gwa apartment pou louer. Est-ce que la glace? Ki question pral poser de apartment? Est-ce que la? Pins, pins. Okay? You need many pins. Okay? Avec S. Hands. Okay? Ça c'est qui comme ça, my friend. Okay? Pins. Est-ce que la? I have an apartment for rent. Mdi am gwa apartment pou louer la glace. Ki prene question pral poser glace? Hein? Plus que nan apartment, ki son pral poser koné? Premier bagage pour besoin connaître c'est combien chambre li gen. Est-ce que la glace pour besoin connaître combien chambre li gen. Koune a qui ça m'a fait glace pour me connaître est-ce que c'est how many ou bien how much m'a utilisé. M'a regarder est-ce que chambre capable compter. Est-ce que la glace m'a est-ce que m'a dit une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Exact. Oui, moi capable dit yon chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Eh bien, plus que capable de dire yon chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres, eh bien, kou na glace, pour faire question en glace, qui ça m'a fait? M'a dit, how many rooms? Et sur la glace, how many rooms? How many rooms? Et sur la glace, combien de chambres? Et sur la combien de chambres? I have an apartment. How many rooms? That's all right. How many rooms does your apartment have? Combien de chambres appartement là gagné? How many rooms? Kounya ki sa moun pral fè glas plus que chambre capable pote? Pa bliye, gagné ou chambre, gagné chambre qui veut dire chambre plusieurs chambres qui nan yo appartement ou bien non kay que ou vivre, mais aussi gagné room. Gagne un room consacré à ce que m'pa ka utiliser meni pou li. Est-ce que la règle suive bien, hein? Gagne un room ça qui veut dire que la chambre. Tenez bien. Lorsque room ça capable prendre S, laisse ça livre du chambre. Les room ça aussi pas capable prendre S, laisse ça, les m'utiliser room ça, c'est pour me parler de espace. Tenez bien. Tenez bien classe. Room is a count noun, okay? Li se yon count noun. Le nou di count noun, se yon nom ki kapab konte, okay? Msot ekrit ale a pou ou, msa kre le count noun na. Count noun se sa ki kapab konte yo. Yo ele yo count nouns, okay? Tout sa kapab konte yo. Yo ele yo count noun. Eso la iglesias. Yo ele yo count noun le yo kapab konte. Est-ce que là? Rooms is a count noun. Let me dire rooms is a count noun. Ça veut dire room. C'est un bagage qui est capable de compter. On est capable de dire une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Ok? Est-ce que là, anglais? Mais les rooms, ça, même room qui écrit même genre, il veut dire espace. Ok? Les rooms, ça veut dire espace. Laisse ça, on ne peut pas dire how many rooms. Est-ce que l'anglais? Mais laisse ça plutôt m'a dit how much room. Attendez bien, pas vle pour mal comprendre ni. Let me dire how many rooms. Laisse ça room veut dire chambre. Mais let me parler de room qui veut dire espace. Li se yo un count noun. Li se yo un count noun. Let nous dire on count noun, ça veut dire class. On count noun, c'est nous qui pas capable compter yo. Est-ce que l'anglais? Nous qui pas capable compter yo, yo ele on count noun, ok? Qui c'est nous pas capable compter. Un point exemple très simple. Let me dire un exemple.
nye sugar. That's what I glass. Sugar veut dire suc. Suc pap ka pran S en anglais. That's what I glass. Mpa ka di sugars. Est-ce que l'on a glass? Pour qui ça? Parce que suc, yore le suc là, uncount noun. Uncount noun, non c'est nom de choses qu'on peut pas compter. Ok? Ça veut dire c'est des bagages qu'on peut pas compter. Ça veut dire souris fait dans yon, bout, dans yon boutique. Boutique là, comment yore le glass? Yore le grocery store. Suis bien le glass. Wap j'en bagage là. Yore le grocery store. Ok? Grocery store, c'est un endroit là où l'on vendait des comment sucre, maïs, du riz, pra, magi. Est-ce que la règle est assez yore le grocery store? Ça veut dire provision alimentaire. Est-ce que la règle est assez? Nous avons pile provision alimentaire dans le pays, nous, hein? Quand on a eu un du riz, pra, maïs, comment, hein? Blé, etc., hein? Yore le ça, grocery store. Est-ce que la règle? Si pas être yon, grocery store, comme si m'ta dit un beau créole dans une boutique, ça l'est bien. Est-ce que nous avons un glace? Je vais dans une boutique qui est grocery store. Je vais dans une boutique la glace, par exemple. Si je viens acheter, je dis bonsoir. Je dis bonsoir. Il dit, what do you want? Il dit, qui a besoin? Je dis sugar. Ok? Je dis sugar. Je dis sugar. Qui ça me dit la glace? Je dis, moi besoin sucre. Est-ce que nous avons un glace? Immédiatement, je dis, moi, besoin de sucre. Qui ça le bralge pour le dîme? La dîme, how much sugar do you want? How much sugar? Pour qui ça c'est how much? Pour qui ça c'est how much? Parce que sugar ne peut pas compter en anglais. Est-ce que la règle est as? Parce que m'a dit yon sucre, deux sucres, trois sucres, cinq sucres, dix sucres, sans sucre. Est-ce que la règle est as? Plus que m'a dit sans sucre, dix sucres en anglais, ok? M'a qu'à compter, plus que m'a qu'à compter, pour m'dit glace par exemple, si m'dit j'ai besoin beaucoup de sucre, hein? Si m'dit j'ai besoin beaucoup de sucre, mes amis, m'a dit I need many sugar, mais m'a dit I need much. I need much sugar. I need much sugar. Est-ce que l'anglais? J'ai besoin beaucoup de sucre. I need much sugar. Ok? Immédiatement, me dit I need much sugar. J'ai besoin beaucoup de sucre. Qu'est-ce que vous allez dire, glace? Combien de sucre? Hein? Est-ce que l'anglais? Vous voulez combien de sucre? Combien de sucre vous besoin? Plus que vous dit combien de sucre vous besoin? Ou pas qu'à dire how much, how many, mais m'a dit how much sugar? How much sugar? Est-ce que l'anglais? How much sugar do you want? How much sugar do you need? Combien de sucre vous besoin? Est-ce que l'anglais? Est-ce que nous, hein? How much sugar? Ok? Hein? On tape sur how much là? On tape sur how much là? Parce que, n'a bien détaillé how much about demain. N'a pas un pile vocabulaire qui pourrait marcher avec how much and how many. Comment n'a utilisé yo? Sans aucun problème, mes amis. Invitez moun. Pas invitez moun, venez suivre. Bel coup anglais ça mes amis. Ouais, invitez moun mes amis ou même qui reme coup anglais a. Qui t'a reme gien des matériels hein sophistiqué comme dit moun yo pour regarder anglais a bien éclairé devant yeux pendant m'a fait quoi live là. Supportez mes amis dans chaîne YouTube moi ça. Mais moi pin ni en bas live là qui c'est Teacher Malebranche on the air mes amis. Ce n'est que rien, c'est pas un rien, hein? Vous comprenez, nous, monde qui a fait un travail sérieux, ou juste encourager, soleil, ou passer sur chaîne YouTube là, ou garder 2-3 minutes, ok? Et puis, ou bah, moun nan, yon abonné, qui dit, waouh, monsieur a fait un bel travail, bon, bah, lui, ou gren abonné, soleil, glace, laisse ça, ou encourager, ou dit, changer caméra ça, fait pas être piclairé. Ou dim changer système éclairage là pour le paraître plus éclairé. Est-ce que la glace? Est-ce que la?
hein? Ou dim, regardez, anglais ça tellement belle. Mettez le espace spécial, non, men. Hein? Mettez le espace spécial. Moi, qu'est-ce qu'on est? Ou pas pour qu'on bombe, quoi, boum, mettez le espace là, hein? Exact, parce que nous allons raconter super bien. Est-ce que là, ou qu'est-ce qu'on pas pour qu'on physique pour changer espace là, pour me voir up to date. Mais vous, moi, un café qui c'est, aidez me partager, hein, aidez me partager live là, invitez moun abonné à page là, invitez moun à l'abonner avec page YouTube là, qui c'est Teacher Malbrechon d'hier, côté que vous avez une course à yo, très belle, bien expliqué, en anglais sans aucun problème, hein. Mes amis, aidez me à travailler là, pour me changer belle matériel, pour m'utiliser belle matériel, hein, pour capable là vous clairer, mais c'est où pour qu'aidez me faire, hein. C'est pas là, je m'en dois, je m'en dois. Passez sur YouTube là, ou en pin dans live là, est-ce que vous comprenez? Dis-moi, chaque fois, bel travail, bon, bah, lui, abonné, hein. Dans 50 moun qui là, par exemple, si t'as gagné 20, vous comprenez, qui gagne, conscience, yon touché, yon passe, bon, t'y abonné, est-ce que vous like glass? Hein, encouragez le travail là. Oui, zomim, est-ce que sucre ka compté? Non, li pas ka compté. Bah, ka di yon sucre, des sucre, trois sucre. Mais qu'on a glass, c'est vrai, sucre pas qu'à compter, mais qu'on a immédiatement me dit sac sucre, ou bien me dit mamite sucre. Est-ce que là, hein, Gléas? Là, m'a parlé de mamite, hein. Beaucoup voulait ouvrir belle pour ça, hein, parce que, beaucoup senti nous, hein. Beaucoup senti nous, est-ce que là, hein, Gléas? Qu'on a, là, m'a parlé de mamite sucre, si mamite sucre, sac sucre. Est-ce que là, hein, Gléas? Godé sick pour moun qui sont en profession, est-ce que là, hein? Van moun de godé sick, est-ce que là, hein, Gléas? Pour n'y a, laisse ça, depuis m'y a mamite de vol, ok? Depuis m'y a mamite de vol, laisse ça, m'pap ka di how much sugar, mais m'ap di how many sacks of sugar, est-ce que là, hein, Gléas? Laisse ça, m'pral di, how many cans of sugar? Le m'parle de can, n'a parle de mamite. Est-ce là, hein? Pablo Eglias, on a can ici qui est le verbe pouvoir. Et can est un verbe défectif, là, ok, Eglias? On dit can est un verbe défectif. Et can aussi est un nom. Il faut pas oublier ça. Et on a aussi le verbe can qui est un verbe ordinaire, mais pas le verbe pouvoir. Est-ce que vous voyez, Eglias? Est-ce que vous voyez, Eglias? Ken sa a un paquet de détails là dans en anglais. C'est ça là, hein? Ken n'a un paquet de belles détails là dans en anglais. Ou même qui veut un bel détail ça yo. Qui sa a pour faire? Vidéo ça yo app spécial sous chaîne YouTube là. Est-ce que vous comprenez? Hein? Inscrit sous li, abonné, hein? Subscribe. Immédiatement m'a une vidéo ça yo. Ou ap une notification. Ou ap une chance garder yo. Est-ce que là, hein, Gléas? Bon, ou ti exemple ba ou? Est-ce que là, hein? Meilleure façon pour parler anglais bien, il faut aller à l'école. Est-ce que la glace, hein? On qui juste prend un livre qui a prouvé. Faut qu'à suivre un cours de professeur à bien détailler bas ou comme ça pour parler bien. Est-ce que là, hein? C'est vous qui ouvrez un livre ou j'ai des vocabulaires à apprendre. Mais là, des détails ça yo, ou des grammaire ça yo, ou parler yo l'autre façon. Est-ce que là, hein? Le réseau ça m'a dit, abonnez à la chaîne YouTube là pour qu'à ouais côté anglais belle. Est-ce que là, hein? M'dis m'gagne Ken. Qui a le verbe pouvoir, c'est bien, ok? Même qu'un sam qui a utilisé pour me parler de mamite, même qu'un sam qui a utilisé comme verbe qui veut dire mettre en boîte. Est-ce que là, Gléas? Est-ce que là, hein? Ça veut dire, si vous avez un monde qui utilise qu'un, côté que, ou est qu'un gagne tout, pas oublier Gléas, lorsqu'on a qu'un, hein? Là, on gagne qu'un comme verbe défectif, ou pas qu'à mettre tout après, ou pas qu'à dire I can too. Est-ce que là, comme verbe défectif? Mais il faut pas oublier, Gléas, il y a aussi le verbe can, qui est un verbe ordinaire. M'gué can, qui est un verbe défectif, qui c'est un verbe qui grand moun. Et aussi m'gué un verbe can, qui veut dire yon l'autre bagay. Et m'gué can comme nom, qui veut dire yon l'autre bagay aussi. Est-ce que là, hein? Pour qu'on ait yo, abonné avec channel YouTube là, ou prendre teacher, Malbrechon, on the air. Côté que, wap joun anglais en détail. Est-ce que là, hein? Y'a mon qui t'a aimé pour m'abal anglais ça lui-même spécial. Est-ce que là, pour apprendre anglais ça live pour compte tout. Ok? Thank you, teacher. No problem. Ok? Good job. Good, bro. God bless you. Thank you very much. Ok? Thank you. Alright. Merci avec mon qui connaît pas tant ce travail ça.
qui toujours prêt, qui a félicité nous pour que nous expliquer anglais. Même étudiant nous qui te qu'on suive des cours anglais en salle avec nous, il a toujours dit waouh, teacher, nous féliciter parce que vous prenez le temps pour expliquer bah yo. Si vous n'avez pas compris, c'est pas vous même. Est-ce là, hein? Parce que bien détaillé, man, nous bien détaillé. Est-ce là, hein, Gléas? Fabien, qu'est-ce que ça dit, Gléas? Nous dit, l'on utilise le sucre là pour col, ou dit much sugar, qui c'est beaucoup de sucre. Mais immédiatement, vous pouvez parler de mami de sucre, si mami de sucre, et même jouer avec du riz. Rice, ok? Demain, si je vais m'en détailler ça, ou même jouer avec rice, c'est du riz. Est-ce là, hein? Si je vais acheter du riz, je vais dire, I come to buy rice. Je vais acheter du riz. Rice. Est-ce que c'est là, Gléas? Immédiatement, je vais dire, si je vais besoin de combien? Je vais dire, how much? Parce que je vais dire, yo, du riz, 2, 3, 4, 5, du riz. Est-ce que c'est là, hein? Mais immédiatement, je vais dire, mamie du riz, sac du riz, ti mamite, gode du riz. Est-ce que c'est là, Gléas? Laisse ça. Je ne vais pas faire much encore. Parce que immédiatement, je vais dire, mamie du riz. Depuis que je dis, mamie du riz, c'est que je vais compter. Je vais dire, yo, mamie du riz. Deux mamies du riz, cinq mamies du riz. Laisse ça, l'a changé. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là, Gléas? Hein? Est-ce que nous là, hein? Ok, est-ce que... Qui a fait le monde qui aime ça qu'a fait là, hein? Eh, mes amis, j'aime dire nous, hein? Si nous vraiment aimons, là, hein? Ou aimons, c'est que souris mes quoi, hein? Ou t'as aimé ouais quoi qui a fait plus belle, pas vrai? Eh bien, pour le faire plus belle, j'aime dire là, hein? C'est ça, me dire là, hein? C'est aider grandir famille ça. Est-ce que vous comprenez? Aider grandir. C'est nous la glace. Merci. Hein? Il y a quelqu'un qui a écrit même par WhatsApp qui a félicité le travail là, c'est très bien, merci hein. Est-ce que nous là? Hein? Ça veut dire ou qu'a toujours aider nous pousser le travail ça pour le faire de façon plus belle etc. hein? Hein, pour pousser, comment pousser? C'est pas l'argent ou à dépenser, hein? C'est pas cash app, c'est pas Zelle, c'est pas PayPal, ok? qui s'allie, c'est passer sous canal YouTube là, comprenez? Bon, mieux subscribe, hein, garder vidéo, enjoy avec, quitte un petit commentaire, question, etc. M'appuyer pour nous, est-ce qu'on comprend? Ouais, tellement voulez aider, comprenez? Moi, même créer un groupe WhatsApp pour m'aider, moi. Vous comprenez? Mais, même moun ki nan groupe WhatsApp la, des fois, li pa comprendre ça qu'a fait là. Est-ce que vous comprenez? Li pa comprendre. Parce que majorité moun pense que c'est un bagay désordre. Vous comprenez? Majorité haïtien plus créer un bagay désordre. Vous comprenez? Mais, moun nan pa même vle encourager. Vous comprenez? Et pour exemple, moun nan pa partager une vidéo que moi même moi gagne sur YouTube, mais l'ka prend une autre vidéo, moun li partager. Est-ce que vous comprenez? Li pa abonné avec channel YouTube cours anglais qui a fait live là, vous comprenez? Il pas penser à internet avec des machos fait pour faire pour faire ça, vous comprenez? Qui sacrifice pour faire non? Il va aider pousser ça qu'a fait là mais il aller de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il dit si on garder sous travail haïtien, dit facile pour décourager, hein. Est-ce que la glace? Ouais. Don't forget Léas, c'est un très bel coup qui fait du lundi au vendredi, c'est Manu Branche on the air, toujours passé. Abonnez à la page là, invitez amis, hein. Invitez, montez sous lit. Invitez amis, vous sur Velcro Anglais sans Cléas. Vous comprenez? Demain, si je vais m'abonner pour me détailler. Ok? Parce que tout ça m'a fait, je voulais pour me temps pour me détailler au bas où, branche par branche. Ok? Côté que vous comprenez ni clair, sans aucun problème, hein. Je dis, on nous détaille, meni. Ok? Mais pas oublier, non, meni. Même là où je finis à Ménia, Jean-Lié là, je finis avec Ménia, avec Mochan, demain si Dieu veut, Jean-Lié là, immédiatement je finis avec Kounia, nous pourrons prendre une autre étape dans Ménia et Mochan encore. Est-ce que là, hein? Ça veut dire, Ménia, Mochan, il y a un paquet d'étapes là-dedans. Là, je finis pour jouer à expliquer là avec Exop Sayo. Nous pourrons prendre sur une autre phase, ok? Nous pourrons prendre quand il n'a pas parlé de too much, ok? Nous pourrons prendre une phase quand nous pourrons détailler pour too much. Nous pouvons prendre le côté de détail pour too many. Est-ce que là, hein? Et nous pouvons prendre aussi le côté de parler de not too much. Et aussi le côté de parler de not too many. Ok? Et nous trouvons encore comment utiliser
Et aussi, nous pral détailler many and much for avec there is a there are pour faire question qui a rapport avec un paquet de bagay en anglais. Pendant que je suis dans la caillou, dans une heure de temps, ou va prendre avec Marie Branche on the air, ok? Yon bel gros anglais live qui fait du lundi au vendredi, ok? Si moi toujours intéressé, ou toujours à bon moi support, ou toujours là, ou toujours partager live vous. Ou toujours présent dans quoi hein? Mes amis, l'aime commencer quoi c'est deux monde jusqu'à 25 minutes, yo c'est 8 9 monde. Et cela, laisse ça m'gétant bien détailler en partie. Comprend? Ou quand t'as perdu paquet de bagaille, ou bah une heure de temps, vin à l'heure. Vous comprenez? À l'heure. OK? M'a prend many and much. Devez c'est le m'a détailler match là. Pour compte lui. Après ça, le m'a prend match avec there is a there are, m'a détailler pour compte yo bien expliqué. Let me put too many too much. Map détail yo. Pour compte yo, bien expliqué. Let me put not too many, not too much. Comment yo utilise yo avec few? Avec few et little. Let me détail yo encore. Map détail yo. Clear coup de loco. Yes, voilà. Hein? Map le détail en anglais pour montrer ou m'parler anglais. Map plus de explique yo en anglais seulement. Non. Map faire, c'est pour moun qui pas parler. Ça veut dire, m'doué prendre temps. Pour moi bien expliquer. Yes, sir, in class. Thank you for following Marley Branch on the air. Don't forget, class, to follow me on YouTube. Follow me on YouTube. Follow me on Facebook. Okay? Encourage me. Encourage me à faire travail là. Passez sur YouTube là. Immédiatement, ouais, quoi, camper là. Okay? Et abonnez. Hein, qui ton petit comment pour moi passer vrai. Plusieurs fois gagne 60 gagne 80 moun ki la. Là me dit mes amis, passez sur YouTube là, bon moi yon ti love, yon grain moun ou bien deux grain. Est-ce là hein? Il pas possible mes amis. Si n'a encourager un bel travail comme ça, si me dit les quoi finir hein, abonnez à page là, like page là. Nous passer sur YouTube là, bon moi ti love mes amis hein. Là me faire quoi ta aimé ouais que me content. Hein? Eh bien, aidez-moi pousser parce que c'est l'argent. C'est l'argent moi investi pour me faire, c'est seul ou même qui a aidé me pousser page là et puis chaîne YouTube là parce que me d'aimer faire live sur tout. Thank you for following Marley Branch on the air. Merci le fait côté prend temps pour suivre bel cours anglais ça qui fait du lundi au vendredi avec teacher Marley Branch on the air. Demain si je vais m'attendre là même l'heure pour nous apprendre match et bien détailler le baou avant n'a faut tirer révision tout coup de souvenir flou et puis nous traverser dans match comme sujet pour demain. Merci, le fait qu'on te prête pour suivre quoi, hein? Seeing you tomorrow at the same time. Ok? Tomorrow at the same time. Try to be on time, please. Essayez à l'heure. Ok, class? Bye.